qu'on commence ce vlog avec moi qui oublie ma caméra. Donc vous êtes sur mon téléphone, c'est pour ça que ça risque de tanguer. On est quand même mercredi, il faut savoir que hier je n'ai pas fait grand chose à part faire des courses. Je suis allée faire un petit tour à Kitty Jody juste pour me balader quoi. Et lundi je dormis. Mais faut vous dire que sur ces deux, particulièrement hier, mais en fait sur ces deux jours là, le soir en fait c'est le moment où j'ai été le plus productive. Et j'ai commencé à travailler sur un petit truc. J'espère pouvoir vous en parler si ça se concrétise. Bon, en tout cas si les étapes marchent bien, là j'ai un rendez-vous justement par rapport à ça. On va aller du coup à Shinkawa. C'est à l'opposé de chez moi les gars, c'est très cher pour y aller pour moi. Là je vais dépenser. Je vais dépenser cher. Mais après, quand on relativise en euros, c'est pas ouf. C'est pas si grave que ça. Mais quand vous pensez en yens, c'est dur. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Et j'en ai là pour une heure et quelques de trajet. Souhaitez-moi bonne chance. C'est parti. Ok, c'est bon, cette semaine est terminée. Nous sommes officiellement le 1er octobre. Voilà. Et du coup, petit bilan de semaine. Petit bilan de semaine, j'ai cru que je foutais rien. Et mes habitudes, mes mauvaises habitudes en termes de sommeil. Bon, on va pas en parler parce que c'est catastrophique.
Mais ça commence à avancer. J'ai du positif sur mon projet spécial. J'espère pouvoir vous en parler une fois qu'on aura enclenché le processus. J'ai fait plusieurs pop-up, donc c'était cool. En fait, c'était dur de trouver un moyen de s'occuper, enfin de s'occuper, d'animer ma semaine et de ne pas non plus trop dépenser parce que oui, déjà, les prix ont augmenté. Depuis aujourd'hui, le prix pour faire de chez moi jusqu'à Shibuya a augmenté. Donc toutes les lignes appartenant à la Keio ont augmenté. J'ai le seum, je suis triste, ça coûte cher. Donc pendant un mois, je vais devoir subir ça. Bon, c'est pas grave, c'est toujours moins cher que de se trimballer en France. Mais ça reste un budget, c'est pas forcément très agréable. On fait avec, mais ce qui est fait est fait. Là, j'avoue que je compte encore les sous. Mais faut se dire aussi que là, ce mois-ci, pour le mois d'octobre, il faut que je prépare mon départ. Donc ça veut dire lancer tout ce que j'ai à lancer. Bien préparer mon planning pour mon départ, c'est-à-dire rendez-vous. Faut que je me rappelle qu'il faut que j'aille à la mairie pour faire des choses. Il faut que j'oublie pas, bah, je vais le faire d'ailleurs normalement la semaine prochaine. Ma demande enfin, je vais lancer mon préavis pour mon appart. Enfin, faut que je prépare tellement de choses. Il faut que je prévoie aussi comment je vais faire pour renvoyer mes affaires. Enfin, c'est parcours du combattant. Mais c'est pas grave, on s'amuse, on s'amuse. Et je suis contente d'avoir pu essayer des vêtements, j'essaye de faire du meilleur contenu, d'avoir plus de choses pour vous proposer du bon contenu. Et moi, je me fais plaisir, c'est surtout ça. Et puis voilà, en vrai, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Ça va être une conclusion très rapide parce que j'ai mal au ventre, hein. Et bon, dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je sais, c'est l'une des conclusions les plus rapides que je vous ai jamais faites. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, commentez, likez, partagez. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé du coup des pop-up que je vous ai montrés. J'espère que ça vous fait kiffer. Et n'oubliez pas aussi de suivre cette chaîne, parce que tous les dimanches, il y a un nouvel épisode à 18h30, et que du coup, à la fin de la série enfin, Experiencing Japan Living in Tokyo, hein, on va pouvoir participer peut-être à mes prochains projets et la suite, parce qu'il y aura toujours, je vais faire en sorte qu'il y ait toujours un lien avec le Japon. Et je vais essayer, en tout cas, je vais faire mon maximum pour me concentrer sur les choses que je veux faire, c'est-à-dire les story time. Que je n'ai toujours pas faite et que je dois faire. Surtout celle avec Booking et Bamboo, comme ça, on va s'amuser ensemble, on va faire en sorte que je me fasse rembourser, parce qu'à un moment donné, ça fait très mal au cul, hein, le 411 euros qui est sorti de ma poche d'une manière très violente, hein. Et puis voilà, suivez-moi aussi sur Instagram. Écoutez, Instagram est toujours à jour et en plus, il va y avoir des contenus. Enfin, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des contenus que vous ne pourrez pas forcément voir de la même manière sur YouTube, donc on va essayer de faire les choses bien, mais c'est pas gagné. En tout cas, je suis sûre sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie. Purée, le français, ça devient difficile. Je suis fatiguée. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite des bonnes choses. Je vous souhaite des bonnes nouvelles. Je vous souhaite des opportunités. Je vous souhaite en fait que des bonnes choses, que du bonheur. Et d'ici là, je vous revois en espérant avoir de bonnes choses à vous raconter et en étant de très bonne humeur, parce que oui. C'est pas évident de garder le cap quand les choses n'avancent pas à la vitesse à laquelle on veut. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Pourquoi j'ai fait ça? What's wrong with me?